Bring on the revenue. Déjà, il a effectué son grand retour à Money in the Bank la nuit dernière pour nos amis américains, ce week-end pour nous, et il est là, John Cena. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Wow Public, le premier depuis des mois. Et quel feu d'artifice au label vert pour commenter. John Cena est là, Christophe Ajus aussi, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Christophe. Bonsoir Philippe Charon, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à WWE Raw. Et venez, venez, il dit, il faut encore des gens arriver, asseyez-vous. J'ai vu ce petit qui fête ses 11 ans là, qui est venu voir John Cena, bien joyeux anniversaire mon pote. Moi, je suis venu vous voir vous, purée, vous m'avez manqué. And I missed this. Et ça aussi, ça m'a manqué. Nous aussi, ça nous a manqué. Let's go Cena, Cena sucks. Vous connaissez évidemment cette guerre musicale. J'adore ce bazar, ce chaos. Il y en a qui chantent bienvenue, d'autres let's go Cena, d'autres Cena sucks. Mais vous faites du bruit. On est là, Dallas, Texas. The champ, the marine. J'ai toujours dit, la plus grande superstar à la WWE, c'est l'univers de la WWE. Chaque personne présente ce soir sait de quoi je parle. On fait pas juste du bruit ce soir, on fait pas juste du bruit. Ce soir, on fout le dawa. Ce soir, c'est électrique. Ce soir, c'est WWE Raw. From Dallas, Texas. De Dallas, Texas. Oh, Dallas, you just proved to me how Dallas, vous m'avez montré que vous êtes capable de faire du bruit. N'oubliez pas ça ce soir parce que c'est un travail d'équipe. Je sais ce que tout le monde pense. Yes, I probably will wear the Peacemaker outfit to the Suicide Squad premiere. Certainement que je vais porter les vêtements de Peacemaker pour la première de Suicide Squad. Je suis également là ce soir pour m'expliquer après ce retour surprise à Money in the Bank. So I showed up. Je suis venu. And I ruined the championship celebration of Roman Reigns. J'ai gâché la fête du champion. Roman Reigns qui a conservé son titre face à Edge. Roman Reigns was angry. Paul Edge Heyman était. Was confused. Roman Reigns pardon, était énervé. Paul Heyman était confus. Et Michael Cole était tout excité. Pat McAfee peut toujours pas me voir, lui, par contre. Alors, qui m'a fait revenir à la WWE? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. That one's a layup. Look around. C'est facile. Regardez. Autour de vous, c'est vous, les gars. Finally, we can come back enfin, and cheer on peut revenir together, et acclamer, siffler, faire du bruit tous ensemble et profiter, partager avec d'autres gens qui adorent ça. Who brought me back? Qui m'a fait revenir? It was you. Hey, c'était vous. And it was Roman Reigns.
So that brings me to the what. What am I here for? Ce the WWE Universal Championship. L'autre question, pourquoi? Le titre de champion universel. When? Quand? About 5 weeks from now. Dans 5 semaines. A little event called SummerSlam. Un petit show qu'on appelle SummerSlam. Where? Allegiant Stadium, Las Vegas. That's a pretty safe place to bet. Dans le Nevada. Bel endroit pour se retrouver. Why? Et pourquoi? Here's where it gets interesting. C'est là où ça devient intéressant. I can stand here excited and tell you about the pageantry of SummerSlam. Je pourrais vous présenter la grandeur de SummerSlam. About being a main event in a packed stadium. L'importance d'être dans le combat principal. I can tell you about a history-making, record-breaking 17th championship win. Je pourrais vous parler de ce qui pourrait être un record avec un 17e titre pour moi. It's not because of any of that. Mais il ne s'agit pas de ça. It's because Roman Reigns is a Il n'y a que John Cena pour pouvoir dire cela comme ça, face caméra, ou plutôt face caméra, si je peux me permettre. C'était la WWE, il y a du public, il peut se permettre, mettez-le pas. And I believe he needs to be knocked down a peg. Et je crois qu'il faut le faire tomber de son piédestal. This pathetic Roman Reigns experience pathétique Roman Reigns a assez duré. Roman Reigns is an arrogant, self-absorbed, overhyped, overprotected, overexposed gimmick who's not as over Roman Reigns as he says he is. Est un personnage arrogant, égocentrique, surévalué et surprotégé qui n'est pas aussi populaire qu'il pense l'être. Et ça, ça vient de moi. If you're good, on dit souvent, you'll tell everybody. Si vous êtes bon, if you're good, you will demand pas la peine de le dire à tout le monde. That they acknowledge you. Parce que if you're good. Les gens now, le reconnaîtront eux-mêmes. Vous vous souvenez tout à l'heure de ce que je vous disais, l'effort d'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, le travail d'équipe. On va voir si vous êtes encore là. C'est l'heure de briller, Dallas. Faites du bruit. I hear this section. I don't so much hear this j'entends section. Cette section, mais je n'entends pas celle-ci. Hey Roman, the rest of that saying is if you're great, Roman, they tell you. La fin de la phrase, c'est si vous êtes un grand, ils vous le diront. And I'm telling you right now, I'm gonna be at SmackDown hey, on moi Friday. Je te le dis tout de suite, je serai à SmackDown samedi sur ABA et AB Explore. So et j'ai hâte de te voir. Let's get down to business. Alors maintenant, on rentre dans les affaires. Alors ça, c'est intéressant. Un surfeur et un rappeur, parce qu'on peut rappeler quand même que à ses débuts, John Cena, c'était un petit peu le petit gars, pas vraiment comme Riddle hein, en termes de référence, c'était plus le rappeur, celui qui jouait avec les rimes, le docteur des rimes. Et Riddle débarque avec sa petite trottinette. John Cena pour l'accueillir, apparemment, il a le sourire. Quel début de show incroyable. Qu'est-ce qui vous arrive, fait ça? On dit il n'y a pas de fumée sans feu, mais ce soir c'est le feu, même si j'ai pas fumé. Il reste des cookies. C'est ça. Non, il en reste plus. Attendez. Dude, I finally get it. Gars, je comprends. Bro. Des petits garnements vous présente son dernier tube, Bro. Eh ben ils sont frangins visiblement. Hein. Eh bien ça c'est ce qu'on appelle un sacré passage de témoin. Ils ont la banane, ils ont tout.